C'est son premier smoking, son premier film. Malout arrive du Pas-de-Calais et le voici sur la Croisette. Je suis ému déjà et je vais monter les marches. C'est magnifique, c'est grand en fait. Ça fait peur aussi, Cannes ? Ouais, j'ai un petit peu peur aussi. Voilà, j'ai le stress et tout. Et toi, tu t'appelles comment ? Malout ! Malout ? Qu'est-ce à dire, Malout ? Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle. Un univers burlesque et dramatique. D'un côté, les riches industriels de Tourcoing. De l'autre, les pêcheurs de moules du Boulonnais. De la cruauté dans les deux camps. Qu'est-ce que ça pue, cette carriole ? Moi, je glorifie mes personnages. Moi, ce que j'ai envie, c'est de les rendre flamboyants. Moi, je pense que Malout est flamboyant. Billy est flamboyant. Donc, il y a une poussée comme ça. Alors, il traverse la nature humaine. Il y a de la violence. Mais oui, bien sûr qu'il y a de la violence. Bien sûr qu'il y a de la lutte. Bien sûr qu'il y a de la misère. Bien sûr qu'il y a des riches. Mais on fait la vie de ça. Voilà, d'être au milieu d'être si différent entre Fabrice Lucchini et les gens du Nord. Il n'y a pas plus de différent. Regardez-moi ce paysage que les paysages de la Côte d'Opale sont transcendés. Dumont a tourné dans sa ville natale. Les visages des gens qui filment, qui sont avant tout des gens de son pays, de son enfance, de sa vie, de son imaginaire, du Nord, même plus précisément encore que le Nord, c'est carrément... Enfin, on était en Bleuteuse, on était à Vimereux. À Cannes, tout le monde cherche une place pour ce film-événement. Pas gagné pour ce soir.